Dacosta, cet artiste qui sait faire le buzz à travers son talent, est-ce qu'on peut l'encourager comme il faut, mesdames et messieurs? Merci, merci, merci. Mettez la bombe à Bobo. Franchement, c'est pas donné à tout le monde. Papa Kofi, nous voulons avoir votre. Ce soir, est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même, s'il vous plaît? Merci. Nous sommes à la troisième édition non-stop de Nzonzingawa. Nzonzingawa, cette initiative qui ne cesse d'honorer, qui ne cesse de vous honorer, chers artistes. Est-ce qu'il y a des artistes ce soir? Vous êtes fiers d'être artistes de Nzonzing? Que les artistes de Nzonzing applaudissent pour eux-mêmes. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons une fois de plus dans cette magnifique salle, Salon Virunga de l'hôtel Memling. Nous sommes le 6 février 2022 et nous allons honorer. Nous allons vous honorer parce que
tout au long de l'année 2021. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers artistes, vous nous avez honorés à travers vos œuvres. Nous avons eu l'occasion de découvrir vos œuvres sur des plates, comment on appelle ça, de chaînes YouTube, et ça nous a fait énormément de bien. Merci. Merci d'être avec nous une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, je pense que la plupart de ceux qui sont ici connaissent réellement ce qu'on appelle une Zonzing Award. Une Zonzing Award est, je veux le présenter en quelques minutes, une Zonzing Award est une récompense cinématographique créée afin d'honorer et primer les meilleurs acteurs du théâtre populaire que nous appelons communément théâtre, ou carrément maboké. Elle vise à souligner l'excellence des artistes comédiens. Le prix de mérite sont décernés aux personnes qui se distinguent par leur travail et aux films qui sont considérés comme étant les meilleures réalisations de l'année par les membres du comité de sélection. Alors nous signalons que pour cette année, sur le 100% de vote, nous avons 40% de votes qui nous viennent du public, parce que le public a voté. Votre public vous a voté. Nous avons également 40% de votes qui nous viennent du jury, et nous avons 20% qui nous viennent. Il ne cesse de parler aujourd'hui à travers les entiers qu'on peut remarquer qui passent à l'automobile, à travers les artistes qu'on peut vivre, comme si la distance de aussi de Charles Anacosta, qu'on a pas mal. Alors, oui, on l'appelle affectueusement Daddy. Est-ce qu'on peut dire pour notre date? Alors, le prix de l'expertise pour la troisième édition de Zonzing Award est décerné à Da Costa, sous les applaudissements, un artiste audacieux, le seul de sa génération à oser le showbiz. Et bientôt, nous pourrons vous assurer que nous allons oser le fleuve au grand air pour un spectacle inédit. D'Acosta, cet artiste qui sait faire le buzz à travers son talent, est-ce qu'on peut l'encourager comme il faut les applaudissements? Alors, je pense que le micro est bon. Nous allons avoir tes impressions à chaud. Il y a un micro de l'autre côté. Si tu as encore suffisamment de force pour marcher, merci, Cole, merci. Si tu as suffisamment de force pour parler, nous voulons avoir tes impressions. Bonjour. Pour la petite anecdote, vous me permettez? Vas-y. Un jour, alors qu'il venait de recevoir son prix, dans son bureau, il nous disait... C'est depuis ces jours-là, aussi vite je me suis mis à me poser cette question. Eh bien, serais-je un jour un vrai chasseur? Serais-je un jour un vrai chasseur? Et aujourd'hui, ces prix d'expertise, je crois que ça ne me revient pas. Ça lui revient à lui, mon maître. Pour nous faire remarquer son éternité dans les milieux de ce que nous avons décidé d'appeler désormais le cinéma à la congolaise. La personne récipiendaire a un parcours fabuleux. Elle inspire et partage son savoir-faire avec la nouvelle génération. Ce prix honore l'ensemble d'une carrière, l'ensemble de sa carrière. Pour bénéficier de ce prix, il faudra être un artiste comédien, exercer le métier du théâtre depuis au moins 25 ans, être présent sur scène, c'est-à-dire participer, la participation constante ou occasionnelle au Zonzing, en même temps, avoir un parcours professionnel exceptionnel et inspirant, faire preuve du leadership, se distinguer par ses réalisations, être reconnu
de ses pairs comme un modèle inspirant pour les générations futures, démontrer un engagement constant vers l'excellence. Pour remettre ce prix, je vais encore inviter, lui c'est un baobab du théâtre. Il peut te faire le fou, il peut te faire le monsieur sérieux. Est-ce qu'on peut vraiment applaudir pour Rocco Bocabé, la voix de ses nouvelles? Rocco Bocabé, la voix de l'initiateur et président de Africa, par qui sont passés plusieurs artistes, acteurs, qui ne cessent également de faire sa fierté. Vous avez remarqué, ceux qui sont fidèles à la page de Zoting Award, que le prix de l'immortel est décerné à cet artiste qui a plus de, je dirais, sinon, je pense, plus ou moins 30 ans de carrière. 30 ans de carrière, c'est pas donné à tout le monde. Papa Kofi, est-ce qu'on peut applaudir bien fort pour cette table? Papa Kofi va venir au final. Depuis qu'il a commencé sa carrière, il est resté constant à côté de Rock Bocabé Labodo, toujours dans le groupe Africa, je pense que c'est ça, toujours à côté de son frère, et ça c'est remarquable. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'artiste, mesdames et messieurs? Merci, merci, merci. Mettez la bombe à Bobo. 30 ans, c'est pas donné à tout le monde. Papa Kofi, nous voulons avoir vos impressions à chaud. Il y a un micro de l'autre côté. Vous aurez suffisamment de force pour marcher. Est-ce qu'on peut l'encourager, mesdames et messieurs? 30 ans de carrière, c'est pas donné à n'importe qui. Il faut être accompli pour le faire. Plus de 30 ans. Merci. Une quarantaine d'années. En plus. En fait, c'est depuis 77 que j'ai commencé. Vraiment là, je manque de monde. Je suis surpris, agréablement surpris. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir Linda? Moi, j'ai connu dans la musique. Je vais t'aider à monter avec beaucoup de charme, Linda. Merci, Linda Cotes. Merci. Merci pour ton talent. Merci pour ton talent, merci pour ton sourire et surtout merci pour ta beauté que tu mets à la disposition de tous tes fans. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort pour Linda? Un mot ce soir, un micro de l'autre côté. Merci Linda. Merci d'abord. Merci Linda. Merci à Dodi Laward pour ce deuxième prix, parce que c'est la deuxième fois que je viens ici. Donc je suis très très honorée. Merci à tous mes fans, merci à Dieu. Merci à Emmanuel Tara de m'avoir ramené dans le Zoting. Merci à Sylvissa Loubekam. Merci aux Abakouk et merci à vous tous. Merci Lina. Grâce à Emmanuel Tara. Merci Emmanuel Tara de nous avoir amené Linda dans le monde du Zoting. Alors pour clôturer comme il faut les différents prix d'honneur, nous allons avoir le prix de l'excellence. Le prix de l'excellence est une récompense décernée à un artiste qui se distingue des autres par la qualité extraordinaire de son travail. Ce dernier promet, fait la promotion de la culture congolaise par ses réalisations et démontre son engagement, le courage, la créativité, la détermination, la diversité et l'innovation sont les vertus de ce prix. Pour y bénéficier, il faudra être un acteur producteur, être une personne ambitieuse, être créative, influente, avoir un parcours professionnel extraordinaire et inspirant, être un modèle pour ses pairs et la communauté. Parlez pas là qu'on retrouve dans le stylisme, le modélisme congolais, en même temps dans la télé dramatique. Merci, merci maman d'être avec nous ce soir. Alors, le prix de l'excellence est remis et décerné ce soir à celui que nous appellerons toujours, toujours l'icône. L'icône. J'ai bien dit
Lincoln. Sous applaudissements, lui, c'est Lincoln. Lincoln. Et le mets sous table. Sous nos applaudissements, prix de l'excellence. Prix de l'excellence de l'excellence. C'est Paris. Gadi. Est-ce qu'on peut encourager l'artiste, mesdames et messieurs? Yo, vous en priez à Baza. Vous avez mentalisé ce moment à travers des photos. Papa et Lopé, à travers vous sont sortis la majorité des artistes qui font la fierté d'ailleurs du Zotik. Je pense bien que vous avez un nom ce soir. Il y a un micro de l'autre côté. Encourageons l'artiste, mesdames et messieurs. Parmi ces enfants, on peut compter Takota, Belvu, Sila Bissan, Ursil Peshanga, Kalunga. Oh. Très nombreux. Très nombreux. La liste est longue. Elle est longue. Et c'est pas encore fini. Et dans la salle, il y a beaucoup d'enfants, des petits-enfants, petits-enfants. Tout le bébé, Mabo Komaka, c'est lui qui a accepté de pratiquer cette art. Vous dire simplement, humblement merci. Merci pour cette reconnaissance. Merci parce simplement parce qu'on était peut-être distrait ou qu'on fait semblant de nous aimer, on ne nous aime pas. Mais Nzonzingawa, j'ai vu le slogan, nous soutenir, nous aimer et nous encourager, nous honorer. Nous honorer. Et nous honorer, ça, c'est de l'or pour ce trophée. Comme a dit mon fils tout à l'heure, ça prouve que tout ça va oublier ma chasseur. Et puis le bouffer ça. On ne peut pas aller chez quelqu'un qui vous dira avoir traversé la forêt équatoriale, avoir abattu les gros gibiers du monde et les fauves, sans preuve. Et celle-ci en est une. Merci beaucoup, merci aux organisateurs. Sinon, quand on me donne le micro, je suis très bavard. Oui, ma mère. Alors, je préfère m'arrêter là. Merci. Salut tous les coéquipiers et tous les amis, tous les collègues. Merci. Alors, ce prix se fait accompagner par une enveloppe bien lourde de la part de Mamou Production. Enveloppe. Une enveloppe bien lourde, je signale. Très lourde. Merci. Merci à Mamou Production qui a sponsorisé vous ce prix. Vous m'avez arrêté la soupe. Merci beaucoup à vous, une fois. Merci. Merci. Merci, Manon Production. Vous voulez sponsoriser un prix, prenez rendez-vous déjà pour la 4e édition. Je pense bien, grâce à Dieu, nous aurons la 4e édition, toujours au mois de février, dans cette salle. Donc, si vous voulez sponsoriser un prix comme celui-ci, contactez-nous à la fin déjà de la soirée. Cette fois-ci, nous allons prendre le prix de la meilleure interprétation féminine qui s'est fait représenter ce soir par l'homme de l'évangile, Jérémy Chavagny. Merci. Est-ce qu'on peut encourager l'homme de l'évangile en basant ce soir? Merci. 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 Un mot? C'est magnifique de partager ce moment avec des artistes pétris de talent. Mais il y a ceux qui nous ont laissé, il y a de cela quelques mois, quelques... Et nous avons un deuxième gagnant. Le deuxième, c'est Décor Ilo. Décor. Avec sa voix cassée, ne cesse de nous emporter par son savoir-faire. Qui s'est fait représenter ce soir par Maman Tristan. Merci beaucoup. Décor. Merci. Merci, Chérica. Merci. Alors, Chérica, ça monte. Nous voulons avoir tes impressions. Rapidement. Merci, Papa Obi. Merci pour vos votes.
Merci pour vos votes. Je ne sais quoi dire parce que là, j'ai remarqué qu'il y a un seul grand gagnant et il s'appelle Simba. Et là, j'ai fait un clin d'œil au grand roi du royaume Kokambala. Merci, merci, cher Décart, merci. Grand merci. Sans plus tarder, poursuivons avec la catégorie Révélation de l'année. Révélation de l'année pour la troisième édition de Zoning Award, DJ Dida. Est-ce qu'on peut découvrir les nominés? On va recevoir pour trophée, troisième édition de Zoning Award. Merci. Merci Sylvie, est-ce qu'on peut avoir. Merci. Ça, c'est un papa et sa fille. Merci. Sylvie, nous voulons t'écouter rapidement. Merci, papa Kofi. Bonsoir. À part le fait qu'elle a du talent, elle a la voix, elle a la prestance, elle est belle. Merci. Merci Sylvie. Nous poursuivons le prix de la relève pour la troisième édition de Zoning Award. Zoning Award, nous vous soutenons, nous vous aimons et surtout nous vous honorons. À travers, voilà, ce trophée, nos encouragements nourris, s'il vous plaît. Et cela va se faire accompagner comme ça par un cadeau bien signé, Cash Mode. Merci. Est-ce qu'on peut avoir vos impressions, chère Grace Louzolo? Sens-toi à l'aise, hein, Grace. Le moment mon encore, vous tiens à l'aise. Bonsoir à tous. Je suis très content. Un grand merci à mon Dieu. Je remercie aussi mon président Bouchi Papa. Moi, je me rappelle l'année passée, après la remise des prix. C'est bon, maman Macambo, une actrice exceptionnelle. Oh, oh, comme était l'artiste Macambo. Merci. Maman Makambo, ako sapola biso polele na ni oyo alongi. Zwa micro. La poko na lelo. Papa linga français na ngai ate ça la faute pour corriger. Te luba ta na linga. Na ta na ipelele na kingi. Ta la poko eko. Mutu wana wa français. Mawa. Meilleur acteur secondaire. Hmm. Décerné à Anani a fini ma vie. Il va se faire représenter toujours par l'homme de l'évangile qui représente valablement des vies TV. Et... Merci Vini représenté ce soir par son collègue Jérémy. Est-ce qu'on peut encourager l'artiste? Merci. Découvrir la gagnante de la catégorie meilleure actrice et bon rôle. Merci à tous bien fort pour avoir vu. Et puis je dis ça va nous aider avec le suspense. Pour cette catégorie. Meilleure actrice, second rôle, troisième édition, Zoning Award. Bonsoir. Bonsoir. Le prix, meilleure actrice, second rôle.
et décerné à et dans la catégorie meilleur acteur connu. Prenez votre temps, maman. Si je prends mon temps, oui, oui. On peut me ramener de l'eau en même temps. Hein. On peut ramener de l'eau à maman en attendant. Vous pouvez patienter. Est-ce qu'elle est là? Vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Oui. Voilà le prix meilleure actrice second rôle, troisième édition Jodi Award, est décerné à. Mademoiselle. Oui, madame, alors, oui. Mademoiselle, c'est-à-dire c'est un cœur à prendre. Angai. Mademoiselle. Madame Naomi Rufuakeba. Oui. Qui remporte le prix